Valérie Pécresse, c'est la ministre de la Recherche et elle fait la campagne pour être présidente de Paris. Il faut l'aider, c'est une amie, ça n'est pas cher. Il faut la soutenir. Pécresse, elle aura mes fesses. Je sais pas. Il sait pas. Et elle fait la campagne pour être présidente de Paris. Mais on ne devient pas présidente, on devient maire de Paris. Mais vous êtes débile mentale ou quoi? Je sais pas. Il faut que vous la souteniez. C'est ça, avec des chèques. Oui, mais elle va perdre, mais il faut quand même que... Mais comment savez-vous qu'elle va perdre? Je sais pas. Ne sais pas. Mais vous pourriez peut-être vous renseigner pour le prix qu'on vous paye, non? Il faut quand même lui montrer votre soutien. Oui, bah, le soutien que je lui montrais, je suis assis dessus. Le deuxième. Oui, c'est qui le deuxième? C'est le ministre du budget. C'est lequel, ça, le grand con, là? Oui, Éric Woerth. Oui, oui, bah c'est le mari de la dame qui s'occupe des sous. Oui, il faut aussi l'aider. Ah oui, ça, il faut même l'aider médicalement, lui. Voilà. Hein. Oui, oui, bon, bah filez-lui 150 000. Et le troisième, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, bah là, évidemment, pour mon petit Nicolas. Voilà. De toute façon, avec son bouclier, ils vont nous restituer 30 millions d'euros, voilà. Alors. Mais ce n'est pas cher. Eh ben, mais sortez-les de votre poche, alors. Mais pourquoi vous ne les prenez pas dans vos économies si c'est pas cher, alors? Hein? Je sais pas. Ah. Parce que vous me faites remplir des chèques à longueur de journée, mais j'ai le poignet paralysé à force. 7500, c'est pas très cher. Mais arrêtez de dire que ça n'est pas cher, c'est exaspérant. Surtout pour les donner à une bande de bras cassés pareils. Vous savez, en ce moment, il faut qu'on ait des amis. Mais inscrivez-vous sur Facebook ou sur Mythique, mais arrêtez de m'emmerder avec vos amis à 7500 euros. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et qu'est-ce que c'est que ce chèque encore là? À l'ordre de Casimir? Oui. À l'île aux enfants? Oui, il faut aussi l'aider. Oui, 150 000 euros pour s'acheter du gloubi-boulga quand même. Mais comment ça se fait qu'il a toujours besoin d'argent? Il se drogue? Il joue aux courses? Je sais pas. Oh, vous commencez à me courir sur le haricot. C'est Pécresse. Non, mais c'est bon, Pécresse, oui. Elle lui a déjà fait un chèque tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut tout, elle veut L'Oréal, mon cul, oui. Je pense que c'est bien, c'est pas cher. Mais arrêtez de dire que ce n'est pas cher, vous, ça va mal finir. Et ils apprécient. Oh, bah ça serait la moindre des choses qu'ils apprécient les chèques de Mémé Liliane, quand même.